On va enfin pouvoir partir en Indonésie. Ah bah depuis le temps qu'on voulait aller observer ces fameuses plantes carnivores de la forêt de C'est dangereux, je suis impatient. Merci. On n'est plus qu'à une petite heure avant l'embarquement. Et puis c'est direction l'Indonésie. Eh ouais. Eh oh, pardon, ça existe. C'est cela. Wow, et ben punaise, un pilote en plus. 10 balles qu'avec notre chance on tombe sur lui. Ça ne m'étonnerait même pas. Mais enfin bon, pour qu'il tombe pile sur notre jet privé, il y a tout de même très peu de chance. On va dire ça. Dites-moi, il n'y a pas grand monde aujourd'hui? Non, ça va. Avec cette crise là, il n'y a plus grand monde que se prendre l'avion. Hein. Eh ben au moins, on n'a pas à faire la queue. Non, vous partez pour l'Indonésie en vol privé, ça? Ouais, tout à fait. Ah, très bien, très bien. Vos bagages, ils vous atteindront directement dans l'avion. Très bien, merci. Vous allez bien, monsieur? Oui, merci. Je suis vraiment maladroit. Vous êtes? Enchanté, je me prénomme Handicapé. Je suis copilote. Je vois à votre billet que vous prenez le vol pour l'Indonésie de 17h30. Ce sera moi, votre copilote. C'est vrai? À tout à l'heure, dans ce cas. Oui, à tout à l'heure. Très sympa ce copilote. Oui, c'est sûr. En plus, il est sur le même vol que nous. Si ça n'est pas de la chance. Ouais, t'as raison. Du moment qu'on tombe pas sur ce pilote qu'on a vu tout à l'heure. Tu m'excuses, mais je vais aller acheter un truc. J'ai une de ces dalles. C'est ce bar chocolaté, s'il vous plaît. Eh ben, ouais. Vous avez paiement, monsieur, hein? On peut dire ça, oui. Au revoir, merci beaucoup. Eh ouais, bon vol, hein? Mais t'en as pris beaucoup trop? Mais non, t'inquiète pas, avant le décollage, c'est liquide. En plus, elles sont vachement bonnes. T'en veux une? Ah non, ça va aller. Eh bien, il en met du temps, notre pilote. Ah, tu ne me le fais pas dire, j'aurais dû prendre une barre de plus. Messieurs, ce sont donc vous, mes derniers passagers. Oh, les zut, il fallait que ce soit lui. Pourquoi vos derniers passagers? C'est votre dernier vol? Oui, en quelque sorte. Venez, je vais vous conduire à votre jet. Bonjour. Rebonjour, vous voulez dire? Ah, oui, c'est sûr. Vol de France jusqu'à l'Indonésie. Temps de trajet, 14 heures de vol, départ 17h30, arrivée 13h30 heure locale. Allons nous préparer pour le vol. 14 heures de vol, c'est énorme! Heureusement qu'on a pris un jet privé. Je me vois pas faire 14 heures au milieu de tous ces gens bruyants et sales. T'abuses peut-être un peu, non? Alors là... Pas le moins du monde, mon pauvre. Je suis déjà allé en Australie en vol commercial en 2e classe. C'était horrible. Les 17 pires heures de toute mon existence. Ah ouais, carrément. C'est parti! traversons une zone de turbulence. Merci de bien vouloir vous attacher. Oh non, sérieusement. J'ai jamais vécu de turbulence en avion. J'espère que ça fait pas trop peur. J'ai un pote qui en a vécu 11 et il dit que c'est chouette. Alors, ça va. Ici engin C5 à destination de Denpasar, nous survolons actuellement l'océan, nous traversons une zone de turbulence, un moteur a explosé, instabilité de l'avion et impossibilité de redresser, nous allons nous cracher. Mais bon sang, ils vont nous répondre, oui. L'explosion a dû créer une cage de Faraday et bloquer le système radio. Et mince, pourquoi notre paratonnerre n'a pas fonctionné aussi? Mon dernier vol, je suis gâté. Angle de 18 degrés, t'engage vers l'avant. Oh mon Dieu, commandant, vous devriez annoncer la procédure de sécurité. Chers passagers, veuillez mettre votre tête dans vos genoux et poser vos mains dessus. Impact imminent. Y a quelqu'un? C'est vrai, j'étais dans l'avion quand le pilote a annoncé que nous allions nous écraser. Et Fred, où est-il? Fred, c'est toi? Oui, c'est moi. Viens m'aider, je suis coincé. J'arrive. Oh, tu te souviens de ce qui s'est passé? Oui. On s'est crashé sur cette île. Un éclair avait touché un moteur, je crois. On est maintenant sur une terre potentiellement déserte, avec aucun moyen d'appeler à l'aide. Si, j'ai ramené mon PC portable. Il est dans mon sac à dos. Je l'avais mis dans du papier bulle. Il ne pouvait rien lui arriver. Il faut juste retrouver mon sac. Par ici. Le problème, c'est qu'il est au milieu des flammes. Non, c'est pas possible. Je peux pas laisser mon ordinateur avec des années de travail dessus brûler. Mais voyons, ta vie est plus importante que... Et mince. Tada! Ok, cool, t'as risqué ta vie pour ça. Maintenant, autant que ça serve. Allez, j'essaie d'allumer. Oui, ça marche! Très bien! Au moins, ça n'aura pas été vain. Alors, on a un petit problème. Hein? Quoi? Mais t'as dit qu'il marchait. Alors, pour le coup, il marche très bien. Le problème, c'est qu'on a 0 bar de connexion. Oh mince, c'est vrai, on est idiots. Garde au moins la batterie, on pourra la faire court-circuiter pour faire une étincelle. Bien vu. On va se débrouiller jusqu'à qu'ils envoient des secours. Ils ont bien dû remarquer que l'avion avait disparu. Allons nous faire un campement, dans les arbres de préférence. Comme ça, nous pourrons éviter les bêtes sauvages et observer si un hélicoptère arrive pour nous sauver. Ok, je m'occupe de faire les outils de base. Wow, ça c'est du beau boulot. Évidemment, c'est moi qui l'ai fait. Il est temps d'allumer le feu, je pense. On pourra se faire des torches et explorer un peu l'île avant que la nuit tombe. Il te reste quelques bâtons pour faire des torches ? Oui, je dois voir ça. Je pense qu'il faudrait retourner à l'endroit du crash pour voir s'il reste des survivants, et trouver peut-être quelque chose qui pourrait nous servir. Alors, déjà, on peut essayer de trouver de la nourriture. Il y en avait plein à bord. Ici, il y a des patates. Cool. On pourrait alors ne pas mourir de faim? Bah, me dis pas que tu n'avais aucun espoir. C'était sûr qu'on allait y arriver de toute façon. Tu sais bien qu'avoir survécu au crash, c'était déjà bien. Mais si après, en plus, on doit survivre sur une île, bah là, ça devient plus compliqué, hein. Ouais. Bon, restons optimistes pour le moment. Du moment qu'on n'a pas de bêtes sauvages ou quoi que ce soit d'autre, on a une chance de nous en sortir. Oui, certainement. Peut-être qu'il reste des survivants. Attends, je vais voir dans le cockpit. Ah! Qu'est-ce qu'il... Oh mon Dieu. Il reste plus rien de son corps. Il a dû être broyé lors du crash. Pareil pour le pilote, sauf que lui, il a été entièrement broyé, pas que son corps. Ça me dégoûte, partons vite d'ici. Avec plaisir. Il fait vachement noir ici. Pire que dans un four. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu quoi que ce soit sur cette île. Mais... ça fait 3 heures qu'on est là. Oui, et bah depuis ces 3 heures, il ne s'est rien passé d'étrange, si? Tu disais? Ok. Peut-être qu'on devrait courir maintenant, non? Vite, suis-moi! Ça y est, on est arrivé. Ce n'est pas trop tôt. Mais bon sang, ils vont bien finir par partir d'ici, non? Ça fait plus de 2 heures qu'on attend comme ça. Si on peut pas descendre, on va mourir de soif. S'ils ne veulent pas partir d'eux-mêmes, on va les y obliger. Mais voyons, Donovan, tu sais bien que si tu descends... tu n'auras pas le temps de sortir ton couteau qu'ils t'auront déjà déchiqueté. Et si je ne descendais pas? Comment tu veux les faire partir si tu descends pas le leur faire comprendre? Laisse faire le pro. Et voilà le travail. Wow. Je ne sais pas toi, mais moi, j'ai vachement soif. Oui, bien sûr. Allons chercher de l'eau. Soit on part dans la mer et on doit attendre 1 heure que ça boue, soit on trouve une source pure dans une grotte par exemple. J'ai tellement soif que j'opterais plutôt pour la grotte. Alors c'est parti, j'en ai aperçu une pas très loin. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui va là? Ça sent bizarre, non? Au feu! Mon Dieu! Qu'est-ce que vous avez fait? Écoute, on a merdé, d'accord. Mais c'est pas une raison pour nous tuer. Tu dois être seul sur cette île depuis je sais pas combien de temps. Un peu de compagnie te ferait le plus grand bien. Tu sais pas combien de temps j'ai passé à faire ce camp? Ok, non, je sais pas. On en a fait une aussi. Tu pourras venir si tu veux, mais je t'en supplie, ne nous fais pas de mal. Ouais, vas-y, sois cool. Vous êtes ici pour nous secourir. Oui, c'est ça, j'en suis sûr, c'est ça. Attendez, je vais prévenir les autres. Non, on n'est pas ici pour... Il y a d'autres gens? Bah oui, bien sûr. Enfin, on n'est pas autant qu'au début, mais on est quand même 6. Là, voici Marcus. Il est pas très causant, mais il est de très bonne compagnie. Et voici... Où sont-ils? Où sont-ils? Non, il prend feu. Mais aidez-moi, bon sang. Je crois que notre ami est atteint de démence. Reposez-vous, ça va aller, ne vous inquiétez pas. On s'est craché en avion sur cette île. Vous êtes arrivé comment, vous? Oh, eh bien, ça doit être le gros boom que j'ai entendu cette nuit. Ou alors... En fait, je suis là depuis... attendez, ça va me revenir. 5? Non. 7? Je sais plus. Bon, en tout cas, j'aimais bien pêcher, oui, c'est ça. J'aimais bien pêcher. Et je faisais ça avec des amis. Du coup, j'avais loué un bateau, et on a vu une île, du coup, on s'est approché. Hé, une île droit devant. Une île? Allons observer de plus près. À vos ordres, capitaine. Qu'est-ce que c'était? Aucune idée. Mon Dieu, mais c'est des mines aquatiques. Je croyais qu'elles avaient toutes été enlevées. Le bateau commence à couler. Non, pas maintenant. Où suis-je? James, où es-tu, James? Oh non, c'est pas vrai. Voilà comment je suis arrivé ici. Mais c'est très étrange. Il se passe des choses bizarres ici. Par exemple, j'ai jamais retrouvé mon bateau, je l'ai jamais retrouvé. Vous avez eu le temps de visiter l'île? Elle a l'air super grande. Oh que oui, qu'elle est grande. Et j'ai un peu exploré. J'ai trouvé l'entrée d'un temple ancien de l'autre côté de l'île. Mais il y a des écritures incompréhensibles. Vous pouvez nous y conduire? Oui, évidemment. Suivez-moi. On est bientôt arrivé là? J'en peux plus. Ça fait au moins 1 heure qu'on marche. Oui, pas de panique. C'est juste là, encore quelques mètres à gravir et on sera arrivé. Oh mon Dieu, c'était épuisant. Ah! Mais qu'est-ce qu'il... Oh mince, c'est quoi ça? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié de vous prévenir. J'imagine que ce sont les corps des aventuriers un peu trop téméraires qui ont essayé de découvrir les secrets de ce temple. Et plus loin, il y a une sorte de crypte avec des cercueils, mais l'odeur, elle y est infecte, j'évite de m'en approcher la plupart du temps. C'est sûr que, perso, dans ce cas-là, je m'en approcherai pas non plus. Bah, suivez-moi, le plus intéressant est à l'intérieur. Wow, c'est impressionnant. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. C'est ici que je bloque. On a autour de nous 8 couleurs avec de l'évier dessus. Sur ce panneau, il y a écrit quelque chose, mais c'est incompréhensible. Ça doit être la langue de cette civilisation. Et certainement, il y a certainement écrit l'ordre d'actionnement des leviers. Vous en avez testé? Bien sûr que non, voyons. Les anciennes civilisations aimaient mettre des pièges un peu partout. Impossible que cette salle n'en soit pas piégée. Oui, c'est une raison compréhensible. Ne pas vouloir mourir enseveli ou noyé dans de la lave, j'aurais fait le même choix. Oui, mais enfin, peut-être qu'il n'y a aucun piège et que c'est juste une perte de temps. Tu prendras le risque? Ouais, non, t'as raison. Oui, et en fait, j'ai des raisons de croire qu'il se cache ici la traduction en latin de cette écriture. Vraiment? Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Eh bien, vous n'allez pas me croire, mais en 5 ou 7 ans, je m'en rappelle plus, on a le temps de faire d'énormes choses. Bon bref, en fait, il y a caché un peu partout des écritures différentes les unes des autres qui conduisent à d'autres temples cachés sur l'île. Et les traductions. Cependant, de toutes celles que j'ai vues, il ne reste qu'une et c'est celle qui traduisait cette phrase. Intéressant. Mais si ça se trouve, il n'y a aucun passage secret. Ces hiéroglyphes ne veulent rien dire et on perd notre temps plutôt que de chercher de la nourriture pour notre fichue survie. Sur ce point, t'as pas tort. Il faudrait qu'on se préoccupe d'une manière de survivre et peut-être d'appeler les secours. J'avais des fruits dans mon abri avant que vous me les détruisiez. Mais bon, ces fruits poussent sur des racines en haut de la montagne, ils remplissent très facilement l'estomac. Eh bien, partons à la cueillette! On arrive bientôt au niveau de ces racines. Je commence légèrement à en avoir marre là. Si ça se trouve, il n'y a aucune racine, aucun fruit, et vous voulez juste nous perdre en haut des montagnes. Pardon ? Alors là, il y a des limites, hein. Vous brûlez ma maison, je vous aide quand même. Je vous fais part de mes découvertes et vous vous mettez encore à douter de moi. T'es peut-être allé un peu loin là. Vous savez quoi ? J'étais très bien tout seul. Pour le moment là, vous m'avez apporté que des ennuis. Je sais même pas pourquoi je me décarcasse pour vous là. J'aurais dû vous tuer dès que je vous ai vu. Mais non, il rigolait, c'était qu'une petite blague, hein Donovan ? Ouais, blague ou pas blague, ça reste offensant, donc adieu. Bon, écoutez, j'avoue, j'ai abusé. Mais je m'excuse, voilà. Je vous ai dit que je voulais plus vous voir. Essayez pas de vous excuser là, le mal est fait, laissez-moi maintenant. Oh mon Dieu! Regardez ça! Un autre temple! Quoi? Mais la traduction des écrits de l'autre temple se trouve peut-être ici. Ouais, écoutez, j'ai peut-être été un peu dur avec vous, mais si vous m'aidez à découvrir le secret de cette île, je veux bien vous pardonner. Marché conclu. Ce sont d'anciennes cultures que nous avons découvertes. C'est magnifique. Nous? C'est plutôt moi quand même. Oui, ok, c'est bon, j'ai compris. Et selon vos espérances, la traduction serait ici, dans ce temple? Exactement. Peut-être y a-t-il un autre passage pour nous mener vers la traduction. Je sais pas, mais en tout cas, si c'est ici, ça serait la traduction la mieux cachée que j'aurais trouvée. Peut-être qu'elle est bien cachée parce qu'elle mène vers leur salle la plus importante. Peut-être ce temple, avec tous ses morts. Mais on veut absolument entrer dans ce temple. Mais qu'est-ce qu'il y a au juste dedans? Justement, c'est ça qui nous intéresse. L'inconnu. Ouais, enfin, l'inconnu, c'est pas ce qui va nous maintenir en vie. Faudrait vraiment de l'eau, là. Je commence à me déshydrater. Je pense que c'est une bonne idée. On reviendra ici quand on aura pris des forces. Bon, d'accord. Vous avez déjà trouvé une source viable d'eau? Je veux dire, une autre source que la mer? Bah oui, évidemment. Il y a une petite fontaine dans la grotte où je logeais. Elle n'est pas tombée en rade, mais j'ai toujours tout compté sur elle. Très bien, allons-y. Ça tombe bien, je crève de soif. Venez, c'est juste à côté, derrière ce gros rocher. C'est vrai que moi aussi je commence à avoir soif. Le contraire m'aurait inquiété. Wouah, ça fait du bien. Oh que oui. C'est bon, vous avez fini? On peut retourner au temple? Attends. C'est bon, calmez-vous. Perso, j'ai vachement faim là. L'eau, ça suffit pas toujours. C'est vrai que ça serait plus sérieux d'avoir le ventre plein pour continuer à chercher la traduction. Vous êtes sérieux là? Il fera nuit quand on aura fini. Mais non, t'inquiète. Bah voilà, qu'est-ce que j'avais dit? Bon d'accord, on est un petit peu en retard. Un peu, c'est une blague. On devra attendre demain. Oh oui, voilà une bonne nouvelle. On va enfin pouvoir se reposer un peu. Écoute, ok, t'aurais voulu qu'on explore un peu ce temple. Mais si on se repose, on aura bu, mangé et dormi. Et on sera d'attaque pour même peut-être découvrir le passage secret du temple. Tu crois? Évidemment. Bon, d'accord. Mais promis, on y va demain, hein. Oui, bien sûr, t'inquiète pas. Le problème, c'est qu'on a que 2 sacs de couchage. Oh, aucun problème. J'ai une centaine de sacs de couchage dans ma grotte. Je m'occupe en cousant des sacs de couchage. Drôle de manière de s'occuper. Bah, du moment qu'on s'ennuie pas. Oui, mais ça reste de la couture. Bon, ne débattons pas là-dessus. Dormons. Nous pourrons rechercher le secret de cette île après. Oui! Réveillez-vous, réveillez-vous! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, c'est juste qu'on est censé aller voir le temple. Oh, oui. Oh, laissez-moi dormir, je ne bougerai pas de là avant 5 heures. T'es allé un peu violemment là, non? Ce n'est qu'un moindre mal pour un immense bien. Mais ça va pas, vous êtes complètement cinglés. Dès qu'on sort de cette île, je vous envoie tous les deux en hôpital psychiatrique. Bon, la traduction est cachée, c'est certain. Il y a plein de toiles d'araignée, c'est horrible. Elles sont tellement denses qu'on verrait même pas si un humain est pris au piège dedans. Mais bien sûr, vous êtes un génie. Si on enlève cette toile, le passage secret, oui, un renfoncement. C'est carrément glauque ici. C'est forcément là de toute façon. Regardez-moi ça, c'est extraordinaire, j'en crois pas mes yeux. J'ai jamais rien vu d'aussi incroyable. Oui, enfin, c'est bon, on a compris. Oui. Alors, attendez, j'écris ça. Donc, oui, c'est exactement ça. Ce sont des couleurs. Regardez ici, ça veut dire roubroum, rouge en français. Ça va ouvrir un passage, j'en suis sûr. Waouh, j'ai un frisson là sur le cou. Tu m'étonnes. Nigréos, noir. Attendez, c'est le dernier. Waouh, c'est incroyable. Quand je me dis qu'il s'agit d'anciennes civilisations qui ont réussi à faire ça... Attendez, ça a pas l'air aussi ancien en dessous. On dirait même que c'est tout récent. Ah non, on aurait dû sauter avant. Je suis pas sûr. Il me semble que c'est un aller simple. Il faudrait être prêt à y rester quelque temps. On n'a qu'à prendre des échelles. Le sol se refermerait derrière nous. Je pense vraiment que c'est la meilleure solution. Bon, d'accord. Vois-tu, je prépare ce coup depuis plusieurs années, depuis 30 ans en fait. J'ai découvert cette île quand je me promenais dans les coins en bateau. Évidemment, l'idée m'était venue avant. Lorsque j'ai vu la pollution et les dégâts que subissait la Terre à cause de l'homme, je savais que j'étais destiné à accorder une deuxième chance à l'homme. J'ai donc cherché un endroit où m'installer à l'abri des regards. J'ai ensuite miné autour de l'île au cas où. Je suis resté ici 5 ans pour les travaux, etc. Le problème, c'est qu'il me fallait une pièce pour ma bombe, indispensable si je ne voulais pas qu'elle explose par accident. Oui, parce que je veux survivre évidemment. Je vais aller dans l'espace au moment de l'explosion et décongeler les embryons que j'ai verrouillés sous chambre titane en lévitation magnétique, qui en fait est le seul moyen de ne pas subir les radiations émises par ma bombe. Bref, il me fallait cette pièce, donc je suis allé la chercher. La trouver n'était pas compliquée pour sûr. Le truc, c'est qu'il fallait que je retourne sur l'île, et sans bateau parce que j'ai refermé le champ de mine derrière moi, et que je n'avais pas pensé au désamorçage. Il fallait que j'arrive par les airs, en avion quoi. J'ai berné tout le monde, j'ai intercepté la validation des billets pour le jet privé des 2 autres. J'ai supprimé le formulaire de validation des bagages et j'ai faussé leur arrivage. J'ai de grands talents d'imposteur, plus toutes mes autres qualités. J'ai coupé moi-même les communications radio de l'avion et j'ai envoyé des signaux contradictoires qui ont fait croire à la tour de contrôle que j'avais à décoller, vidanger et réatterri. J'étais impossible à pister. J'avais activé l'impulsion électrique que j'ai mis sur l'île et ça a formé un nuage orageux qui mettait parfaitement en scène un crash. C'était très important parce que sinon tu aurais pu envoyer une requête prioritaire qui aurait déroulé notre position. Je me suis fait éjecter juste avant le crash et je t'ai récupéré. Je t'ai découpé la tête, j'espère que ça ne te dérange pas. Mais ne t'inquiète pas, tu as encore ton cerveau d'origine. Vous ne pouvez pas faire ça. Oh que si, et ce n'est pas toi qui pourras m'en empêcher. Tu vois ce bouton? Si je clique dessus, tu ne seras que spectateur de ton corps. Les muscles robotisés prendront le relais. Bon, va chercher un café. Jamais de la... Tout de suite, maître. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouverture de la porte du temple. Oh mince, ces petits morveux nous ont découverts. Eh bien, qu'ils viennent, je les attends. Peut-être qu'on pourrait fabriquer des explosifs et apporter des échelles. Comme ça, on rentre, on pose des échelles et on fait sauter le passage. Ça ferait trop de bruit. On pourrait alerter les occupants. Je pense que personne ne se doute qu'on est là, donc on a l'effet de surprise. Et si on essayait de bloquer le passage? Genre avec une branche ou un truc comme ça, le passage pourrait pas se refermer. C'est pas bête du tout ça. On combine ton idée avec les échelles de Donovan et on a le plan parfait. Le seul problème, c'est qu'une branche ne suffirait pas. Je pense qu'elle finirait par céder au bout d'un moment. Il nous faut quelque chose de plus solide, quelque chose qui puisse résister à la pression du passage. Même si elle paraissait plutôt importante. Tu es en train de parler d'acier trempé là. Je suis pas sûr qu'il y en ait sur cette île. Moi je sais comment faire de l'acier trempé. On prend de l'acier et on le trempe dans l'eau. C'est bon, tu peux te rendormir. Mais non, avec de l'acier et de l'eau, on obtient ce que l'on veut. Vos débris d'avion, on a de l'acier et l'eau bah... Mais bien sûr! On récupère du métal du fuselage de l'avion. On le bloque lors de l'ouverture, et ça doit rester suffisamment pour ne pas craquer. Ouais, mais il manque une étape là. Faut mettre l'acier dans l'eau. Quand est-ce qu'on va dire à ce gars que l'acier trempé, c'est pas de l'acier mouillé? Attendez, débattez là-dessus. Je vais prendre ma pioche pour récupérer les débris de l'avion. Pour moi, l'acier trempé, c'était de l'acier qu'on trempait. Oh, c'est pas vrai. Nous y voici. Je pense qu'une poutre de 3 mètres de long ferait l'affaire. Je pense aussi. Je crois que le trou faisait environ 3 mètres. Faudrait mieux être large en prendre 4. Bah non, il faudrait pouvoir le glisser directement et bloquer le bout de métal dans l'embrasure. Ce qui va bloquer la fermeture du passage. C'est clair? Oui, c'est pas bête. Très bien. Il ne nous reste plus qu'à fabriquer des échelles. Et peut-être des armes. On ne sait pas ce qui nous attend en bas. Oui, c'est une bonne idée. Tout ça devrait nous prendre la nuit, alors au travail. Piouf! Je pense que ça fera l'affaire. On a une échelle de plusieurs mètres de long, un morceau de carcasse de l'avion, et avec d'autres bouts de l'avion, on a pu se faire 3 épées en acier. Vous pensez qu'on a besoin d'autre chose? Manger. On a travaillé d'arrache-pied toute la nuit, alors je commence à avoir faim. Ah, t'as raison. Et prenons aussi des provisions pour le voyage. On sait pas combien de temps on va rester là-dessous. J'ai dit être, mais en même temps, j'ai un peu peur. Si tout est bon, on peut y aller. Nous y sommes. Je vais t'aider à installer la poutre. D'accord, place-toi de l'autre côté du sas. Bien, mes amis, on ne sait pas ce qui nous attend en dessous. Et on pourra pas remonter avant un bon moment. Alors si vous avez une dernière volonté, dites-la maintenant. J'aurais aimé un énorme gâteau au chocolat, mais c'est pas ici que je vais le trouver. Je voudrais vous remercier, car même si vous m'avez causé quelques problèmes, sans vous, je n'aurais pas pu trouver la réponse à cette énigme, et je serais resté au même stade pendant longtemps. Tu sais, on est seul sur une île déserte, alors il faut se serrer les coudes. Arrêtez, on dirait des adieux. Je suis sûr que nous réussirons à nous échapper d'ici. Et plus vite on descendra dans ce trou, plus vite on sera parti. Je vais poser l'échelle. Attention. Bien, allons-y. Qu'est-ce que c'est que cette matière bizarre? Je crois que c'est du slime. C'est une matière élastique et avec la propriété de te faire rebondir. C'est loin d'être le genre de choses qu'on trouverait dans un temple ancien. Ouais. Et regardez là-bas, on dirait un ascenseur. On est peut-être arrivé dans une base alien. Du calme. Descendons par cet ascenseur. On va bien voir où ça nous mène. Quoi, on est devant un détecteur de métaux? Mais on est dans un aéroport ou quoi? C'est vrai que c'est étrange. C'est pas comme si des gens venaient ici tous les 4 matins. Ce truc ne sert à rien. Oui, mieux vaut le contourner. Sachant qu'on porte des épées, on sait d'avance qu'on va sonner au portique. On arrive dans un long tunnel maintenant. Mais quelle taille fait cet endroit? Ça fait 5 ans que je vis ici et je connais bien les grottes. Pourtant, je n'ai jamais vu autre chose que de la pierre et de la terre. Fou comme tu es, ça ne m'étonne pas. T'as dit quelque chose? Non, rien. Je disais juste que cet endroit devait être extrêmement bien caché pour que tu l'aies raté. Bon, dépêchons-nous. J'ai un mauvais pressentiment. Quoi? Donovan, tu m'entends? Que s'est-il passé? Le mur s'est refermé juste derrière nous. Non! Donovan! Mais que s'est-il passé? Je t'ai simplement séparé de tes deux compères, un insecte de moins à chasser, ce n'est pas du luxe. Qui êtes-vous? Un alien? Je le savais! Si tu veux, de toute façon, tu vas me rejoindre dans quelques instants. Comment ça? Ah! Oh non! Qu'allons-nous faire? On peut même pas retourner en arrière. Et Donovan a disparu. Écoute-moi, il faut garder la tête froide. Trouve un moyen de le retrouver. Tu as raison. Réfléchissons un peu. Oh là là, ma tête. Ah, te voilà enfin réveillé. Il était temps. Quoi? Mais vous êtes le pilote? Eh oui. Mais je ne suis pas vraiment un pilote. Je suis en réalité un scientifique, et cet endroit est ma géniale base secrète. Hein? Mais pourquoi avoir une base secrète, se faire passer pour un pilote et me ligoter à cette chaise? Car je ne veux pas être dérangé pour la réalisation de mon plan d'extermination de la race humaine, et surtout pas par des petits futés comme toi et ton ami. Comment ça, un plan d'extermination? Vous êtes un génie du mal comme on le voit dans ces cartoons pour enfants? Pas très glorieux. Si tu vois les choses de la sorte, pourquoi pas? De toute façon, tu vas devenir mon cyborg esclave. Alors ça n'a pas d'importance maintenant. Et ma bombe à fraction subatomique vous détruira tous le moment venu. Une bombe? Mais vous êtes complètement idiot, ma parole. Ça ne vous apportera rien de détruire l'humanité. Et surtout, une telle bombe détruirait toute forme de vie sur Terre. Imaginez que l'humanité se détruise elle-même. Détruire cette Terre vous en fera plus perdre que gagner. Et je vois pas comment vous pourriez me changer en cyborg. Je te transformerai comme je l'ai fait avec Handicapé, le copilote, ne t'inquiète pas pour ça. Mais surtout, ne me traite jamais d'idiot, petit insolent. Je suis le plus grand savant que cette terre n'a jamais connu et ne connaîtra jamais plus. Je peux toujours atténuer les effets de ma bombe, mais elle sera suffisamment puissante pour anéantir tous ces parasites d'êtres humains, sauf moi bien sûr. De plus, si j'envoie un laser suffisamment puissant sur cette bombe, elle explosera en ne détruisant que cette île. Un système de désamorçage pas si idiot, n'est-ce pas? Bien que j'eusse oublié pour les mines aquatiques. Je vais m'occuper de ta transformation plus tard. Je dois d'abord me débarrasser de tes compagnons. Quoi? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je crois que j'ai une idée pour sortir de Donovan de là. C'est vrai? Laquelle? Je te le dirai au moment venu. On est peut-être surveillés. Continuons à explorer l'endroit. Très bien, je te suis. Prenons cet ascenseur, et faisons attention. Si l'un de nous se fait capturer, on ne pourra pas sauver Donovan. D'accord, et on va à quel étage? Ben, commençons par le -3. On va les faire dans l'ordre. Essayons cette porte. J'arrive pas à l'ouvrir. C'est bloqué. Je crois savoir pourquoi. Il faut une carte d'accès de niveau 4. C'est écrit sur l'écran. Si toutes les portes sont bloquées, on va pas aller bien loin. En effet, mais on va bien trouver des cartes d'accès quelque part. Bon, nous voici au moins 7, croisons les doigts. Plus on met de temps et plus Donovan est en danger. Oui, mais faut garder la tête froide, il ne faut pas se précipiter. Regarde, cette porte n'a pas de lecteur de cartes. Oui, espérons trouver quoi que ce soit d'utile là-dedans. Une salle de culture, ça m'étonnerait qu'on trouve Donovan là-dedans. De toute manière, je suppose que Donovan se trouve dans la salle la plus sécurisée du labo. Mais on va peut-être trouver des choses intéressantes ici. Oh, des pommes de terre, je commence à avoir faim, moi. Oh, regarde ce que j'ai trouvé en fouillant dans les patates. C'est une carte d'accès. Elle n'est que de niveau 1, mais c'est un début. Allons fouiller les autres pièces. Mais lâche-moi, tu me fais mal. En plus, ta tête me dit quelque chose. Eh mais, t'es le copilote. Je suis Andy Borg, le servant de maître Vladimir Goodbert Smart. Quoi? Arrête, tu t'es fait laver le cerveau. Tu es handicapé, un pilote de ligne. Souviens-toi. Je suis Andy Borg, le servant de maître Vladimir Goodbert Smart. Ah, tu comprends rien. Reste ici et tiens-toi tranquille. Maître Goodbert Smart viendra bientôt te faire entendre raison. Quoi? Non, reviens ici. Libère-moi, Andy. Bon, on a enfin accès aux salles de niveau 3. Je sais pas combien de niveaux de sécurité il y a, mais notre but pour l'instant c'est d'avoir une carte de niveau 4. Ouais, je pense que c'est le dernier niveau vu qu'on en a pas vu de plus élevé. T'as sûrement raison. D'ailleurs, je voulais te poser une question. Oui, dis-moi. Ça fait quelques temps que Donovan et moi nous t'avons trouvé, mais... Mais... On connaît toujours pas ton nom, alors comment tu t'appelles? Ah... En fait, j'ai oublié. Comment ça? Ça fait tellement longtemps que j'ai vu personne qu'à la fin, j'ai fini pour oublier mon prénom. Et t'as pas la moindre idée de ce qu'était ton prénom? Non, pas la moindre. Mais ça me dérange pas, hein. J'ai bien réussi à vivre comme ça pendant plusieurs années. Ouais, mais dans ce cas, je t'appelle comment? Appelle-moi l'aigle vaillant. Naufragé fera très bien l'affaire. Ah, d'accord, ça me convient aussi. Ne perdons pas plus de temps. Je me souviens qu'au moins 5, il y avait une salle qu'on pouvait ouvrir avec la carte de niveau 3. Qu'est-ce que c'est que cet endroit sorti? On dirait une prison miniature, et elle a l'air de pas être souvent entretenue. Regarde, là-bas, il y a une porte verrouillée par un code. Oui, fouillons la salle, on trouvera peut-être le code. D'accord. Haha, trouvé. Génial. Allez au vide cette cellule. Regarde dans cette caisse, la carte de niveau 4. Yes. Mais quand on y pense, c'est étrange de trouver des objets d'une telle valeur dans des salles au hasard. C'est vrai. Le propriétaire des lieux n'est pas très ordonné, on dirait. Ils récupèrent de plus en plus de cartes, comme je l'avais prévu. Ils vont bientôt tomber dans mon piège. Le seul problème, c'est que je ne connais pas leur plan pour sauver leur acolyte. Hélas, je ne peux pas encore lancer la procédure de robotisation. Cela prendrait trop de temps et si cela échoue, cela pourrait faire court-circuiter mes appareils. Ça y est, maître. J'ai enfermé notre prisonnier. Ah, te voilà, toi. Va chercher tes armes dans la zone de test des missiles. Il faudra que tu interceptes les deux gêneurs dans le couloir du -5e. Et dépêche-toi. Très bien, maître. Essayons les autres salles de cet étage maintenant. Je crois pas que ça va être possible. Pourquoi? Oh. Attends, mais t'es le copilote? Je suis Andy Borg, le servant de maître Vladimir Goodbert Smart. Vous allez maintenant devoir me suivre. Quoi? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Fred, je sais pas qui est ce gars, mais ce que je sais c'est qu'il va falloir fuir, et vite. T'as raison, je voulais utiliser ma botte secrète pour libérer Donovan, mais on n'a pas le choix. Tu m'as toujours pas dit ce que c'est. T'inquiète pas, et suis-moi de près, je te dirai quoi faire. Cours vers l'ascenseur! Mais d'où tu sortais ça? Eh bien, j'avais amené avec moi mon caméscope. Et j'ai utilisé la batterie pour faire un court-circuit. J'ai un petit peu bidouillé ma caméra, et puis j'ai créé un arc électrique avec. Du coup, bah c'est un taser. Trop fort. J'invite dans cette salle avec la carte de niveau 4, on pourra y entrer. Donovan! Fred! Tu vas bien? Le cyborg ordi t'a rien fait? Non, il m'a juste jeté dans cette cage. Et vous, comment m'avez-vous retrouvé? Ah, c'est une longue histoire. Mais le cyborg est justement en train de nous poursuivre, alors il faudrait se dépêcher de te libérer. Oui, c'est vrai. Pour refermer ses parois de verre, Andy a appuyé sur le bouton, juste là. Ouf. Bon, vite, il faut sortir d'ici. Vous n'irez pas plus loin. Mais... vous êtes le pilote? Que faites-vous là? Non, c'est lui le fou qui contrôle ce laboratoire. Il nous a volontairement craché sur cette île. Ce que dit votre insupportable ami est vrai. Mais vous n'allez plus me poser problème. Cet incapable d'Andy Borg s'est fait avoir. Mais ça ne sera pas pareil avec moi. Andy Borg, attrape ces vermines. Non! Mais que fais-tu? Reviens! Enfuyez-vous. Sale morveux, tu as fait exprès de te sacrifier. Je sais pas qui tu es, mais sache que je te laisserai pas leur faire du mal. Ça ne fait rien, je les retrouverai tôt ou tard. Ils s'échapperont pas d'ici. Toute l'île est sous mon contrôle. Et toi, je t'ai laissé tranquille ces 5 dernières années, mais tu vas maintenant devenir mon esclave. Andy Borg, enferme-le dans la salle des caméras. À vos ordres, maître. Bon, on est carrément bloqué sur cette île, et on sait pas ce que va devenir le naufragé. Au moins, on sait qui est derrière tout ça. En fait, il est carrément idiot, il m'a dévoilé son plan. Pas très ingénieux pour un scientifique. Ah bon? Et qu'est-ce que c'est? Réduire à néant l'humanité. Quoi? Mais c'est quoi son problème? Bon, j'imagine qu'il veut tout faire sauter, ou bien peut-être qu'il a un autre projet derrière la tête. Non, t'inquiète pas, ça aussi il me l'a dit. Il a une bombe sur cette île, et s'il l'enclenche, tout le monde meurt. C'est cool ça, hein? J'aurais pas utilisé ce terme, mais y a pas un moyen de la désamorcer? Enfin, j'imagine qu'il te l'a pas dit ça. Détrompe-toi, il m'a dit que si on utilisait des lasers, on pouvait faire exploser sa bombe et elle ne détruirait que l'île. Ah, mais si on fait ça, on meurt aussi. Espérons que le compte à rebours sera suffisamment élevé. Oui, bon, ça n'est pas tout, mais on a une planète à sauver. Waouh, ça sonne carrément bien ça. Fred et Donovan, les sauveurs de la Terre. Bon, ça c'est si on y arrive. On commence par quoi? J'imagine qu'il faudrait un plan? Oui, je crois que les étages descendent à -9, et comme tout bon génie du mal qui se respecte, il a dû mettre sa bombe à cette profondeur. Oui, on a déjà une hypothèse de localisation. Mais tu penses pas qu'il faudrait sauver le naufragé? On peut toujours essayer, mais je pense qu'il faut faire passer l'humanité avant lui quand même. Oui, j'imagine. T'aurais une idée d'où on pourrait trouver un laser pour désamorcer une bombe qui doit être suffisamment grosse pour détruire la planète tout entière? À mon avis, c'est quelque chose d'énorme, impossible à déplacer pour avoir une énergie suffisante. Je pense que si on trouve la bombe, on trouve le laser, et il y aura sûrement un bouton pour l'activer. Très bien, on peut y aller, sauf que le passage jusqu'à l'ascenseur est bloqué. J'ai peut-être une solution à ce problème. Regarde, là, une bouche d'aération. Je vois qu'ils sont partis d'ici. On a le champ libre au moins. Dépêchons-nous quand même. Bon, nous voilà au moins neuf. Il y a juste un long couloir en verre sous la lave. Là-bas, une porte. Mince, un code. Où est-ce qu'on pourrait le trouver? Moi, je te dis qu'on n'a pas besoin de le trouver. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il faut bien aller de l'autre côté de la porte, non? Oui, mais ne t'en fais pas pour le code. Notre ami Vladimir va venir nous l'apporter. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment ont-ils fait pour trouver aussi rapidement l'emplacement de la bombe? Ça ne fait rien, le code n'est pas très complexe et ils pourraient facilement le trouver. Mais ils ne m'échapperont pas une troisième fois. Andy Borg! Oui, maître? Va m'exterminer ces nuisances. Je vais te rejoindre pour qu'on passe enfin à l'action. Ah, j'attends ce moment depuis beaucoup trop d'années. De suite, maître. Aucune cible en vue. Exécution demande secondaire. Bon, c'est pas Vlad, mais ça fait quand même l'affaire, non? Carrément. C'est quoi le code du coup? C'est 112233. Non, vraiment, c'est chaud là. Le peu d'estime que j'avais pour lui s'est envolé. Le plus étonnant là-dedans, c'est qu'il te restait encore de l'estime pour lui. Bon allez, on rentre. Il y a des tuyaux partout, c'est abusé. Imagine, il y en a un qui pète et toute l'île explose. Je préfère pas imaginer ça. Alors, touche à rien. Oui, bien sûr. Bon, bref. On a un autre ascenseur là. Il n'y a qu'un seul autre étage, le moins 8. J'imagine qu'on doit monter là-haut. Tu dis là-haut, mais je suis sûr que c'est à 100 mètres de profondeur. Oh mince, c'est encore plus grand que ce que je pensais. Ok, bon, il faut se dépêcher je pense. Voilà le laser, il faut trouver le moyen de l'activer. Ne bougez plus, faites un mouvement et je vous mets hors d'état de nuire. Andy, sérieux? Moi qui croyais que t'étais quelqu'un de sympa. Mais regarde les choses en face, t'es possédé par des muscles robotisés, ok, mais il te reste quelque chose, ton cerveau. Je le sais parce que Vlad me l'a dit, quel idiot ce mec. Je suis Andy Borg, handicapé. Bon, un obstacle en moins. Mec, t'as vu ses yeux? Ils étaient normaux sur le coup. Peut-être. J'ai pas fait attention. Mais c'est pas ce qui importe pour l'heure. Reste là, j'y vais. Personne n'ira nulle part. Tu bouges et j'élimine votre acolyte. Non, ne faites pas ça. Vous pouvez bouger. Je m'en fous de mourir, moi. J'ai vu suffisamment de choses dans ma vie. Ferme-la, toi. Écoute, je ne bougerai pas. Mais lâche-le, je t'en supplie. Jamais. En réalité, je n'ai rien à craindre de vous. Je vais tuer le naufragé, puis je vous tuerai tous les deux, comme j'aurais dû faire lors du crash. Ça ne servira à rien de tuer tous ces gens. Essaie plutôt de les raisonner. Tu sais tout comme moi qu'il n'est pas trop tard. Ah oui, tu crois. 1 heure avant explosion, il est trop tard pour faire demi-tour. Moi, Oh! Qu'est-ce que... Les gars, Vladimir m'a lavé le cerveau. Je suis désolé pour tout ce que je vous ai fait. Heureusement, je suis libéré de son emprise. Ne t'en fais pas. Et pour l'heure, ce n'est pas le plus gros souci. Merci, je te dois la vie. Bon, Donovan, vas-y. Il reste peut-être une chance de réduire les effets de la bombe. Oui. C'est bon, actionne le tien. Oui, 30 minutes avant destruction de la bombe. C'est moins que le temps qu'elle va mettre pour exploser. Il nous reste une chance, mais il faut qu'on parte tout de suite. Non, je ne vous laisserai pas faire. Non, Andy. Donovan, il est trop tard pour lui. Il faut courir maintenant. Ah! Lâche-moi! Si je meurs, tout le monde mourra avec moi. Toi, tu la fermes, ok? Partez sans moi, je le retiens. Mais tu vas mourir. Non, pas de panique, je vous rejoins. Bonne chance! Tu te crois plus malin que tout le monde? Tu devrais être reconnaissant que je t'ai laissé vivre sur cette île ces 5 dernières années. Je vais te montrer quel misérable tu es. Alors là, vous pouvez toujours rêver. Par ici! J'espère qu'il n'est pas trop tard pour le naufragé. La sortie! Juste ici! Ok, faut rejoindre la mer au plus vite. Oui. Bonjour à tous et bienvenue dans le Non-Stop Info de ce lundi. Si vous habitez en Asie, en Europe, en Afrique ou en Océanie, vous avez sûrement ressenti une vibration qui a affolé les capteurs sismiques sur toute la Terre. La plupart d'entre vous pensaient qu'il s'agissait d'un séisme, ou vous n'étiez pas loin. Les hauts dirigeants du Sri Lanka ont réclamé une aide financière pour repérer l'origine de cette onde sismique. Cette demande a été suivie par l'armée française, indienne, américaine et allemande. Les recherches ont débuté avant-hier. Les forces aériennes sont entrées dans cette zone et ont remarqué un taux anormal de radon dans l'air. Les restes d'une île y ont été découverts. Aucun humain n'a été récupéré sur ces lieux. Attendez, on me signale dans l'oreillette à ce moment même que 2 rescapés ont été trouvés. Ils répondent au nom de Frédéric Cochet et de Novanilla. Nos équipes arrivées avec l'armée française sont sur place et elles nous indiquent que l'on peut leur parler. Nous avons réussi à décrocher une interview inédite avec eux. Bonjour messieurs. Pouvez-vous nous dire ce qui vous est arrivé et comment vous êtes-vous retrouvé sur cette île ? Eh bien, nous avions un vol vers l'Indonésie, mais notre avion s'est écrasé. Ça peut paraître étrange, mais c'était volontaire. Vraiment ? Comment cela se fait-il ? Le pilote de notre jet se révèle être un fou furieux qui voulait détruire l'humanité en explosant une bombe, et pour la désamorcer, il fallait minimiser l'explosion. Mais l'île et ses alentours étaient quand même condamnés. Et la question que tout le monde se pose, comment avez-vous survécu ? On a quitté le plus vite possible les infrastructures de l'île et on a couru vers l'eau. Ensuite, je crois que la bombe a explosé parce que je me rappelle plus de grand chose. Ensuite, je me suis réveillé. Où suis-je ? Mince, c'est pas vrai. Donovan, tu es où ? Ici. Mince, il y a presque plus d'île. Je crois que le naufragé est mort. J'en ai peur aussi. Je me fatigue trop vite. Il faudrait que je me repose. Oui, moi aussi pour te dire. On peut aller sur ce qui reste de l'île. Ok, ça marche. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à ces questions dans votre état. Je crois que l'armée va vous raccompagner. Je vous souhaite une bonne journée et un bon rétablissement. Merci beaucoup. C'est bon, faut y aller maintenant. Bien sûr, on arrive. On l'a échappé belle, mais on a quand même perdu Andy et le naufragé. On racontera à tout le monde les héros qu'ils ont été. Ah, j'étais à deux doigts du but. J'étais si proche. Ces gêneurs me le paieront de leur vie. Je n'abandonnerai pour rien au monde. Je reconstruirai ma bombe sur les décombres de cette île s'il le faut. Je le jure, je reviendrai.